Il est la force qui apaise. Il soulage ceux qui sont épuisés et porte de l'eau faveur. Il fait de nous une communauté bienfaisante et nous pouvons vivre dans la confiance mutuelle. Que Dieu le Père et Jésus-Christ le Fils du Père nous accorde la grâce, le pardon et la paix pour que nous en vivions dans la vérité et l'amour. Amen. Amen. Louez le Dieu de lumière, Dieu Saint, notre Père. Louez-le pour Jésus, la lumière du monde, et pour l'esprit de lumière et de vérité. Ne restez pas captifs de vos ténèbres, car ainsi nous a été donné. Quand son Fils a ouvert les yeux de l'aveugle né, devenez donc les imitateurs de Dieu et marchez dans la charité à l'exemple de Christ qui nous a aimés. Qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, mais plutôt des actions de grâce. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Kafukafuna keke liman signé ya fofo. Kafukafuna Christ signé du kame keke liman. Kafukafuna bobokokoye signé keke li plein ya pepe. Elevé, niyano keke li lame. Le si me manvi, la bumbuna ve si oji nkwa matola. Vilon non yinye ne mao. E yata, mission a fait non. Long long. Nezel ne appelle à peine au nom. Abbé Alessi Christ au nom aimé. Repérez si on a. Mettez bien, n'y a pas de l'arrêté si tout à tout. Allô, n'y a si mais n'y a sénat. Allô, fait n'y a si mais c'est à tout. Dès si on reprend de là. Après la mau bon, la nomiamda, on s'y doit déjà la mau, la ligne à petite. Amen. Disponible pour ton service. Amen.
Tipo. Kafu kafu kule dobele di micho le nao le kapoko siyamu. Nienda akena o. Bene demo mi gawa kutu la fisia. Bene ya se unye mila kule toro. Ya se unye mila ase ulo mamu. Na ebe pasirasia pe ya gira na vani ya katamia di. Vam ya pe diyo, benam ya se, ou nya la pe tondro, akwa de nya pe diyo men, e ye le wate pou nye le nyan. Amen. Amen. Et bien, de ce dimanche, qui est si long que l'on, et en parlant de Vanessa, on a dit qu'il y a une démarque de discernement. Ce n'est pas quelque chose qui nous saute nécessairement aux yeux. Un membre de l'Ombre, et lui, comme le membre de l'Ombre, membre de l'Ombre, non à Kabla, et au réveil, membre de l'Ombre, comme lui, il vient de moi, que lui, non à ma honte. L'histoire de ce jeune aveugle, né aveugle, est très édifiante. Nous partirons de là. Lui dit selon la loi, est né dans le péché, selon la loi. Pourquoi on les dit? Lui dit est né dans le péché, comment peut-il instruire ceux qui connaissent les textes de la Torah, de l'Ancien Testament, de la volonté de Dieu? Lui qui est aveugle, né aveugle, comment peut-il éclairer les bienvenus, les voyants, ceux qui voient, ceux qui ont les yeux pour voir, et ceux qui se croient sages, comment peut-il les éteindre? Jésus, dans ce texte-là, on sent le procès à Jésus. Et le procès fait à Jésus a pour motif suivant. Il a, autant il y a Jésus-Christ, il y a un homme, il y a un homme, il y a et au Jordan, ça va nous guérir. Le motif de son procès, c'est qu'il a guéri un pécheur, celui qui est né aveugle. Parce qu'il est né aveugle, il est né pécheur. Ça, c'est dans la conception. Juif blanc, la maladie, celui qu'on naît avec des infirmités, c'est que la conséquence du péché qui nous précède. C'est-à-dire que ses amis et grands-parents ont péché, les conséquences, c'est lui qui les subit en laissant pécheur. On n'est pas, aveugle comme ça. Ça a un sens. Pourquoi? Non, c'est pourquoi il est né dans le péché. Au Dieu, au défaut. Mais il y a le commun de Ménia, mais il y a le commun de Ménia, le commun de Ménia, le commun de Ménia. Et la Roma, et il y a dans les amants qui dit, une guérison, un jour de sabbat, où on ne doit pas faire d'œuvre, on ne doit rien faire, on ne doit pas travailler. C'est contre la loi. Non, c'est contre la loi. Pourquoi hein? Il peut dire que le médecin ne doit pas travailler, non, je suis tout ce qui est contre la loi serait contre nature. Et ceci ne peut venir de Dieu, non. Il ne serait pas de la volonté de Dieu, non plus. Mais on est là de l'homme, on va mettre son membre pour faire un membre de l'homme. Mais attention, en matière d'action, à première vue contre nature, qui peut sauver la vie, nous avons aujourd'hui plusieurs actions qui seraient contre nature, mais qui peut sauver la vie. Ici, je vous rends compte qu'on ne met pas la vie au premier niveau, c'est-à-dire qu'on ne met pas la vie en avant, on met la loi avant la vie. Je peux compter que les gens rapides, la vaccination, le vaccin. Il y a certains médecins qui ne mettent pas le vaccin. Effectivement, certains ont fait des vaccins et puis c'est leur domo qu'ils ont posé.
Mais comment peut-on se dire que le vaccin en fait, c'est les gens qui donnent la maladie qui continuent plus. C'est comme un acte contre la nature. C'est comme si on voulait te guérir par le mal, par le mal. La chimiothérapie. La chimiothérapie. Donc, le cancer, pour lutter contre un, c'est du poison. On te joue du poison pour que tu guérisses. Ça, c'est comme la nature. Donc, notre intelligence, du poison pour te guérir, ça réussit pour certains. Ça ne réussit pas pour d'autres. Ce n'est pas que ça ne réussit pas pour d'autres, mais ça n'a pas. Que c'est pas ça. Ça passe, ça ne peut pas se faire. Ça sauve. Même aujourd'hui, il y a des tendances qui appliquent la même presse. On adore les législatives de l'homme, ou alors, bien la tonton l'homme, bien oui. Quand nous prenons par exemple la question de l'homosexualité aujourd'hui, il l'a même. Mais il faut se mettre dans le contexte de la Bible aussi. Comment ça se fait? Et pourquoi ça se fait? Dans quelles conditions ça se fait? Est-ce que c'est des actes volontaires ou on est avec ou bien? En fait, généralement, c'est Dieu qui est imposé à la esclave, allez, je dois faire ce que j'ai envie de faire parce que j'ai tout fait dans la vie, mais le reste de ça. Mais aujourd'hui, psychologiquement, c'est pas tant qu'on met l'être humain au centre. Et quand on pose l'être humain au centre, quand on met l'autre, on se dit, après, il y a toute une histoire de vie derrière, il y a beaucoup de souffrance derrière. C'est l'homme qu'on est là, et c'est pas l'acte qu'on considère en premier, mais c'est l'être humain qui est victime, quelque part, dans ces conditions qu'on pose là. Et à ce niveau, quand on le reconsidère, on se dit, il faut sauver en le posant de façon humaine, et en humain, il faut revoir notre position et notre jugement par rapport à certaines pratiques de la vie. Il faut reposer la dimension humaine. Alors, je me mets en garde pour discerner la volonté de Dieu et vivre cette volonté de Dieu, il convient de prendre un peu de recul par rapport à la lettre, par rapport à la loi. Et l'être humain et son bien-être au corps, au cœur de notre projet, de notre projet spirituel. Il faut poser l'homme au cœur du projet. En prenant du recul par rapport à la loi et au texte. Il faut avoir du discernement pour lire et actualiser les textes bibliques aujourd'hui. Non, c'est l'esprit sur lequel nous donnons le discernement. C'est un esprit que nous donnons le discernement. C'est l'esprit qui peut nous révéler. Il faut également avoir beaucoup d'humilité. Beaucoup, beaucoup d'humilité pour laisser l'esprit du Christ nous ouvrir les yeux du cœur. Pour ne pas confondre la foi et la tradition. Il y a nous sommes rendus un enseignement dans notre ville du Togo, il y en avait, qui avait pour titre foi et tradition, pour s'appeler connu. Il arrive par moment que la tradition prenne le pas sur la foi. Parce que nous sommes dans la tradition, nous le faisons comme ça. Alors, et quand on pose la Bible, à un certain moment, on se dit, mais c'est les hommes qui ont imposé ça. Ce n'est pas la Bible qui l'a imposé en fait. Un très bon exemple, en cela, c'est l'histoire du bon samaritain que beaucoup de gens connaissent. L'histoire du bon samaritain, c'est l'histoire de cet homme qui passe au chemin de Jéricho et qui se fait agresser dans les montagnes. Il y a un sacrificateur, le sacrificateur passé. Puisque le sacrificateur, quand il va à son boulot, il ne doit pas toucher le sang, il ne doit pas toucher le mort, amène le roumain. Et tout le monde est dans le donc il a le sous-moment et il a solé. On s'est fait comme nous. Après, il y a une limite. Nous l'aurons de l'autre homme. Ça n'a pas. Et là-bas, il y a. Et il y a le supposé qu'on fait. Et quoi,
Donc ce mois-là, il va y aller, merci à la faille, le point d'ailleurs. Où se voit la maman? Qui a été choisi? C'est pas là qu'on est choisi. Qui a été choisi? Et où tient?
Et ça nous rejoint vraiment dans notre actualité aujourd'hui, dans le discernement. Dans notre actualité aujourd'hui. Dans le monde entier. Parce qu'il y a un chamboulement. On joue au chamboule tout là. Et le résultat, on le sait, on ne sait même plus où l'espérer. Moi, et en regardant le monde, on se pose énormément de questions. Nous sommes en période de choix, un peu partout. Les Américains ont ouvert le bal. Les conditions, c'est que c'est parce que c'est arrivé. Et soyons-en édifiés. Dans la foulée, nous portons notre regard. Ça, c'est
c'est le haut de la marche, parce que c'est lui qui a l'expérience, qui sait tout, qui peut faire tout. Nous portons notre regard sur le plus petit aussi du groupe. Beaucoup de David et tout ça, le plus petit. Moi, je ne suis plus pas. Moi, je fais que la lecture, mais je ne suis pas le groupe. Et on regarde sur, quand on regarde sur le plus petit, de ce mouvement-là, le plus jeune, le plus petit. Le plus petit est des compétiteurs. Lui aussi, il y a quelques années, quand il était nommé à un poste au gouvernement, comme l'un des plus jeunes, vous vous rappelez de ce moment des journaux caricaturels? Les journaux caricaturels avaient un corps de bébé, une tête d'adulte et un biberon à la bouche. Voilà le président qui fait venir un bébé aux finances et on lui donne le biberon. C'est comme ça qu'on le caricature. Alors, vous avez retrouvé ces journaux-là. Vous dites, oh, le président est petit, il a une corps de bébé, une tête d'adulte et il prenait son biberon. Quelle place notre regard à première vue, à ce plus jeune. Alors, il y a des gens qui se reconnaissent à avoir beaucoup plus d'expérience. Mon frère, ma soeur, le manque d'humilité peut te faire tomber grave. Car Dieu n'aime pas ceux qui ont le cœur hautain. La volonté de Dieu discerne les gars, car notre savoir, notre intelligence, notre culture, sans l'éclairage de l'esprit, n'est rien du tout. Et nous ne pouvons pas parler de l'un, à me répondre d'Ada, à mon voyage, et avec mon voyage, il est à Nina, par ici, à ce bout. L'oreille de l'homme la baisse, mais celui qui est humble d'esprit, celui qui est humble d'esprit, obtient la gloire. Mes chers amis, je connais un homme. Regardez, je connais un homme que l'histoire de l'humanité a retenu par son caractère atypique. Le plus grand homme de l'histoire. Cet homme, c'est un mari, bien un mari, voilà, il m'a reconnu, le diable, le pokoï, le pokoï. Celui-là, il n'a pas un diplôme. Mais on l'appelle maître. Il n'a jamais fait la médecine. Pourtant, il guérit. Il n'a aucune armée. Pourtant, depuis le berceau, les rois ont commencé par le traître. Il n'a jamais gagné aucune bataille. Pourtant, il a conquis le monde entier. Il n'a commis aucun crime. Pourtant, on l'a crucifié. Il a été enterré au tombeau, pourtant, il vit toujours. Je me sens honoré de servir un tel chef qui, en plus, m'aime. Vous connaissez cet homme de l'histoire? Jésus lui-même s'est révélé par son humilité. C'est l'humilité incarnée même. Et le plus beau mot, j'en amène. Les moutines en revêtent Jésus. Jésus lui-même s'est révélé comme cette humilité incarnée. Il reste notre modèle et sa volonté pour nous est de nous dépouiller de tout ce qui est orgueil pour revêtir l'humilité qui vient de lui, de l'esprit. Comme la veuve de naissance guérie par Jésus lui
le dit en toute humilité au chef religieux qui le regardait avec pudeur. Il leur dit, toi, la Torah, elle est au bon temps, voulez-vous vous aussi devenir ses disciples? Mon frère, ma soeur, prenons-moi toute humilité devant le Seigneur pour qu'il nous ouvre nos oreilles et nos yeux de l'esprit, afin que nous discernions sa volonté de nous. Le plus beau pour notre vie, trois personnes. Allez, viens tout le monde. Allez, mon frère. Il y a des médicaments, il y a un produit qui a été à la fin, il y a des mots.